Alright tout le monde, je suis Jessener et on se retrouve sur la suite de Black Myth Wukong. Donc on s'est laissé ici, nous avons sorti de la grotte, on a pété l'araignée pourpre la dernière fois pour essayer de sauver notre chummy. Et man, j'ai complètement oublié son nom. J'ai jamais su son nom en fait. Et c'est ça, là on est sorti de la grotte. Là on est dans un nouveau sentier, man, ça fait du bien être là là. Lui malgré je suis pas obligé de le péter lui là. Ça me semble que ça faisait un nasty de bout qu'on était d'une grotte. Là on est bien là. Et je pense que je le pète. Ça me tente de le péter lui là. J'ai l'impression là qu'il va me faire du backstab. Il va passer à côté de lui pour faire. Oh, moi je te pète. Oh, c'est bon, ok, one shot. Nice. Et notre personnage est quand même vraiment fort, man. Et dude, je me suis fait péter par un boss secondaire la dernière fois là. Ah. Et je peux descendre? Non, je peux pas, ok. J'étais sûr que je pouvais. C'est qu'il fait là, lui là, là. C'est... Oh, le dos des garages du vent, lui là, là. Calme-toi, chum. Ok, il y a du drôle de monde ici. Je sais que cette armure-là est folle. Ah, c'est vous, je me rends. On va l'essayer. Non. Fuck. Oh, niveau 110, chum! Qu'est-ce qu'on est rendu fort! Oh, this man. C'est cool, man, parce que plus que ça va, plus qu'on... Tu sais, on devient fort, pis c'est cool, parce que c'est ça qu'on veut, devenir fort. Puis plus que... Mais plus que ça va, man, ça me manque, là. Je veux dire, moi, j'ai la côté de nostalgie au tout début du jeu, man. Three boys, moi et Shadow Clone, man. Moi, quand il y a autant d'ennemis sur moi, là, manger de la merde. Merci, boys. Oh, ça continue là. Ok. Une petite gorgée, et voilà. Est-ce que le jeu il est vraiment bon, man. Je vous jure, là, vers la fin du jeu, là. On fait toutes les side quests, tous les secrets que j'ai manqués, on fait tout, man. Je vais peut-être pas aller chercher tous les trophées comme. Tous les succès, là, comme j'ai fait à Elden Ring. On verra, là, mais le jeu il est vraiment bon, man. Et si, chum? Ah, et c'est... Ouais, je savais, je l'ai vu bouger. Oh, ok. Il y a un doute là. Il y avait des doutes un peu partout. Ah merde, je vais éternuer. Excusez si vous m'avez attendu. Mais je peux pas me mettre sur mute parce que j'étais en train de me fight. Ok, mais écoutez, moi en vrai, je vais aller là avant. Je vais me péter contre lui avant. Ouch. Ok, ouais, là lui va être vraiment problématique.
Ok, c'est bon. J'aime ça alterner Eden de posture. C'est vraiment cool. Ça c'est hot ces matériaux là, man. Il faudrait que je booste un peu là, ma résistance des 4 fléaux. Le problème, c'est que moi, j'ai juste monté, mais j'ai monté ma défense là, générale au max. Ah, ok. Et voilà, on va se ramasser ça un peu. Nous, on est en bas, ouais. Quelque chose, c'est? Non? Ok. Et t'as, chum? Et voilà. J'attends que quelqu'un ou quelque chose. Ah, un autre! Je sais pas si je me rends. Ça serait pas pire. Non. Il m'a pas vu. Là, c'est sûr, je me rends. Oh fuck! Shadow Clones! Ouch! Ah, il me fait chier quand il fait ça, man. Voilà. Moi, je me fais pas chier, mon chum. Quand il y a plusieurs ennemis, mon chum, là. Shadow Clone, Jutsu, et voilà. Petite gorgée. Ben, monter ma mana un peu. Ah, ok, c'est par là. Hey, j'y viens de voir. Ah, Chris, on se mate, il nous donne deux esprits. Et voilà, monter ma gourde. Ah, je la marde pas. Pas mal sûr que c'est un piège. Oh yes. Et voilà.
Assez chaotique ma tenue, man. Check-moi le gros crise de design de fou, man. Yes, infusion. Bon, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça ici? L'utilisation de la gourde confère une probabilité considérable de ne pas réduire votre stock de gourde après utilisation. Ok, rétablis la mana, mirage brumeux, j'aime mieux ça les autres. Bang. Solide comme un roc, cercle de feu. Ouais. Nice. Mais ça, ma mana, c'est quand ma est au max. C'est lorsque la santé est maximale, l'utilisation de la gourde permet de récupérer une quantité modérée de mana. C'est ça l'affaire. Permet d'infliger dégâts de poison. Réduction de dégâts. Modérément. Graduellement de la santé. Ah, je sais pas, man. Réduction de dégâts. Ou avoir de la santé. Réduction de dégâts, je pense, hein. Ou celle-là ici. On va y aller comme ça, je pense. Je pense que ça, c'est le best. Là, on a juste un point, fait que je pense que je vais le garder pour X raisons. Élever les esprits, non. Les sorts, je garde la même affaire. Je pourrais peut-être essayer de monter ma transformation, hein. C'est mes reliques. J'en ai aucune idée, man. Moi, c'est ça que je monte tout le temps. La défense. Les 4 fléaux. Je pourrais essayer de monter ça un peu, les 4 fléaux. J'ai jamais monté ça encore. Quoique, j'aime bien aussi les chances de coups critiques aussi. Putain. Mes postures. Je pourrais essayer de monter mes postures aussi. Tu mettre des points là-dedans, mais... Parce que c'est des combos. C'est ça, c'est des combos, genre... C'est cool ces combos-là, mais je les utilise jamais, tu sais. Ça, j'ai utilisé pour essayer d'attaquer un ennemi à distance, mais moi, j'aime vraiment elle ici. C'est la posture que je préfère le plus. Parce que rapidement... Attends, je vais faire récupérer. Parce que rapidement, je peux faire des attaques lourdes, puis ça me donne une partie de la vie, tu comprends? Tu sais, j'ai un beau petit setup, moi, là. Quoi qu'on est loin d'avoir fini aussi, là. On est loin d'avoir fini, là. Fait que je vais monter de niveau en masse. Hein? Fuck! Je suis direct dans le poison, man. Est-ce que ça, c'est chiant? On va méditer. Ça va nous guérir. On regarde-tu la psychotine de méditation? C'est beau, hein? Regardez-moi ça. Yeah. Un point de plus, et voilà. Oh. Oh. Regardez, je vais monter ma vie. T'es sérieux, chum? Quoi qui se pousse? Mais là, je suis... Asti, asti que j'ai ça quand ils me font tomber, là. Et voilà, ils ont pété tout seul. Et voilà. Ah, il est pas fini, lui. Yo, chum, c'est-tu calé tout seul? T'es-tu sérieux, là? Oh.
Bon. Ah ouais, il y a pas mal d'ennemis ici. C'est bon. J'arrive de où, moi, en fait? Pas le temps. C'est qui parle? Ok, j'ai été ici, il y avait rien. Peut-être qu'il y a rien. Ok, non, c'est bon, c'était correct. On va continuer notre chemin par là. Oh tabarnak! Man, fuck, je suis mal. Dude, c'est pas juste ton affaire là. Hein? Il a même pas fini le dude. Ouch. Hein? Le dude il est OP, man. Oh, ok. Il ne pongera pas deux fois. Ah fuck. 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 PD. Out. Yeah.
Les trois suprêmes. J'ai déjà un fléau sur moi, est-ce que c'est fatigant? Ils ont tout des dégâts de fléau, man. Dans la neige, man, c'était à full. Après ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. T'sais, c'est pour ça que je mets pas de points de compétence là-dedans. Dans 4 fléaux, je pourrais. Mais tu sais, pour une affaire, tu sais, une résistance, non, ça m'intéresse pas parce que, ben, c'est ça en fait, là. Ah ouais. C'est bien ça, confère une probabilité considérable de ne pas réduire votre stock de gourdes après l'utilisation. Ah, ok, c'est bon, c'est quand même cool ça. Là, j'étais à combien de points? 2. C'est quoi ça? Possède moins de 1 point de concentration. Il peut toujours exécuter des combos diversifiés, mais en infligeant moins de dégâts. Bof. Chaque niveau de talent augmente légèrement les dégâts infligés par les attaques lourdes, écrasantes, chargées. Oh, ça c'est bon ça! Ça monte mes dégâts, et voilà. Oui, j'aime celle-là, écrasement. Pilier, c'est quand même cool. Mais tu sais, tu mets tes points un peu partout, mais t'as gaspillé ailleurs. Tu sais, j'aime mieux avoir un setup ben fait. Puis ça, je les utilise une fois de temps en temps, tu sais. C'est quand même pas pire. Mais il faut que je booste un peu mes sorts. Ce que je fais jamais, vraiment. Mais c'est parce que je veux monter mon bonhomme pour qu'il soit, genre, bon. Standard, tu comprends? Alors, mettons, c'est comme... Tes jeux qui sont setup. Oh. Ah, il est vraiment fatigué, man. Ben oui, j'ai encore un fléau sous moi, man. Calisse. J'ai pu récupérer la vie que j'ai perdue, là, mais je vais m'en sortir. J'entends quelque chose de l'autre côté. Ok, attends, je vais aller voir là avant. Hey, hein, finalement, fléau, il bouffe ma vie en tabarnak, hein? Ici. Ah, pas encore toi. Tu m'énerves.
Comment je le pète, lui? Ah, shit, t'en as un qui s'en vient. Ah, laisse faire. Ha! Je savais qu'elle allait faire une petite attaque de... C'est mon calice. Yo! Ah, c'est qui m'énerve. Vatican, lui, comme ennemi, pourrait. Pas mon préféré, mettons. Dude, je peux pas trop aller, moi, là. Oh, mais regarde, je vais aller voir, là, si tu veux que je te dise. Il y a trop de chemin, man. Viens-tu? Tabarnak. Bon, écoute, on va vérifier ici. Moi, je m'en vais là. On va aller voir où est-ce que ça nous mène. Tu vois, il y a des chemins partout, man. Genre, je sais pas lequel qui est principal, lequel qui est secondaire, lequel qui est... aucune calice d'idée, man. Peut-être on a un boss, c'est sûr, man. Dude, c'est quoi cette arène-là, man? Y'a pas personne ici? Man, je vous crée pas, man, je vous trosse pas pantoute. C'est quoi ça? Ici, j'aime ça, regarde, ce biome-là, je trouve ça nice. Des montagnes comme ça, des petites affaires dans le même, là, je trouve ça vraiment cool. Oh, ton affaire, ça a l'air fucking fort. Ici, c'est sûr qu'il y a un boss secret, man. T'as pas vu l'arène de fou qu'on a. Ah, tu vois ici, c'est fini? Ok, cool. Fait qu'ici, c'est pas principal. Nice. On va revenir sur nos pas. Là, check bien ici, il va y avoir un boss. C'est sûr qu'il y a quelque chose, man. Gros, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Si le chemin du retour, il y a quelque chose, c'est sûr. Non? Il doit y avoir de quoi m'amener. Je pense qu'il faut que je pète un genre de... un boss secret ou peu importe. M'amener, ça va m'amener ici. Il va y avoir une side quest qui va m'amener ici. Puis il va y avoir un boss. C'est sûr, ça, sûr et certain. Ouais, ici, ça a l'air à vouloir continuer quand même pas pire profond, man. J'en déduis que c'est le chemin principal. Fait que je pense qu'avant de continuer... Ben, non, je vais aller voir, ça a l'air à s'arrêter, justement.
C'est que je les trosse pas ces herbes là maintenant, j'ai de toute de la merde. Quoi que ça me donne du level up. Ça me donne de l'XP. Ah oh, nice. C'est secondaire man, puis je le regrette pas. Check moi c'est... Ah oh, wow, check moi c'est quoi man. Une boisson crépuscule des neuf cieux man. Tabarnak, ça a de l'air fucking... OP man. Bon, fait que je vais revenir sur mes pas, puis vu que j'ai déjà tué tous les ennemis, ben, ça me tente pas de me téléporter en fait, fait que je pense que je vais juste me rendre à pied. Est-ce que je peux changer mes boissons? Non, l'infusion, faut que je le fasse après. C'est quoi ça? Oh! Augmente considérablement l'attaque pendant un bref instant après avoir percé à jour l'ennemi. Ok, ça fait quoi? Porter suffisamment de coups à l'ennemi pour éviter les prochains dégâts fatals. Augmente légèrement la réduction de dégâts. Cet effet est accru en étant équipé du corbeau de soleil d'or. Une calice, c'est quoi, man? Le corbeau du soleil d'or. Augmente la défense. Inflige des dégâts aux ennemis proches en prenant des coups. Ça, c'est quand même cool. Lui, je vais peut-être le changer, peut-être. Quoi qu'il est quand même pas pire. Ah, je sais pas, hein, lesquels que je pourrais changer. Ah c'est ça, lui il augmente un peu mon attaque. Moi je pense que c'est lui que je vais prendre. Ben, m'a buffé mes attaques bien comme faut. Ah j'ai juste du stock légendaire quasiment man. Gros on commence à devenir fucking wow. On commence à devenir OP man. Je sais pas si là-bas c'est un boss secret ou si c'est le truc principal. On va aller voir. Mais eux, faut que je commence par les péter en premier. Oh, il est même pas dead l'autre. Gros, j'aimerais ça que tu lockes ton esti d'ennemi de maintenant, chum. C'est vraiment pas pire. Oh, il y en a un autre là. Est-ce qu'on fait, on le pète-tu ou non? Moi, j'aimerais peut-être péter mon boss avant, là, pour vrai, là. Il y avait de l'air. Ah, ben non, je pense que c'est principal. Ok, bon, ben, good. Ok. Bon, fait que on va débloquer celui-là ici. On va pas récupérer notre santé. Ah, attends, c'est vrai, j'avais une infusion. On va aller voir. Nouvelle infusion. Ah, mais lui, il récupérait la mana, c'était cool. Chaque gorgée permet de récupérer 35% de la santé max, confère une quantité considérable de ki. Chaque gorgée permet de récupérer 36% de la santé max et une quantité modérée de mana. C'était quand même cool, ça. Ça faisait quoi? 24%? Lorsque le niveau de santé est critique, augmente fortement la récupération. 36% de la santé max. 35, lui. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que je peux avoir plusieurs stocks. Ça, ça paraît, là. Tiens, regarde, on peut prendre lui ici. Après ça, on peut prendre... Solide comme un roc. Arc de feu, je m'en fous. Tu sais, on peut pogner la mana. Réduction de dégâts. Ouais. On va l'essayer, man. Mais ouais, c'est ça qui est plate, là. Je vais prendre une gorgée de potion. J'aimais vraiment beaucoup, là, le... Je dois vous avouer, j'aimais vraiment beaucoup la potion qui récupérait un peu de mana, man. Oh non, je voulais pas faire ça, le con. Chris d'épée. Ouais, moi, je pense que je vais regarder lui ici. Ah, le con, je voulais pas récupérer. Bon, regarde, c'est pas grave, là. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est ça ici. On va juste skipper les ennemis. Et voilà. Aïe aïe. Tabarnak.
Je voulais juste aller là, chum. Je voulais juste aller là. Je voulais aller voir qu'est-ce qu'il y avait ici, là. Oh! Oh! Oh, ok, il y a un esprit. Oh, je l'ai manqué. Ouais, là, c'est pas juste le chum, il est ici, là. Dude, c'est pas juste, tabarnak. Ah, c'est ça, il est temps. Ah là, c'est chiant, ils m'ont collé l'esprit de Redsit. Ah, il y a une méditation ici, man. Ok, attends, je vais essayer de la récupérer tantôt. Il y a du stock ici, man. Il y a du stock. Yo. Ah ouais, chum? Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, man. Knowing the joy within the play, why chase the notes astray? Love and passion are as fleeting as the clouds. In the end, they leave nothing but cobwebs and dust. A broken mirror cannot be made whole again, my friend. Tell Master Pig, if you will, that attachments are not to be dwelt upon. C'est ça, y a pas de nom, le dude s'appelle Maître Cochon. From above, for love, she strayed, in her webbed prison, through mortal years, she stayed. Immortal once, in her webbed prison, through mortal years. All right. Years, merci, chum. She stayed. Ah, attends, c'est vrai, il y avait la méditation, faut que j'y aille. Pas le choix. C'est le problème. Faut que je les pète. Alright. Ah ouais, esquive, esti, man. Le dude, il me connard. Pourquoi je te ralentis d'un coup, là? Ok, là. Ils ont quoi ici? Ils ont-tu du stock ou non? Non, ils ont rien. Bye! Bon, fait qu'on va pouvoir continuer. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un boss, ça a de l'air secondaire ici. Une araignée. Please. You must save me. So, both my trap and my vessel failed, but how? When I saw him, I just couldn't. The destined one then arrived and bested me. Now the monkey has ransacked our hollow. A mere monkey showing such disrespect. Your wound was recovering. But now it's getting worse. Fear not. I'll deal with him.
But before that, that thing of mine, do you still have it? I do. Very well. Despite all your failures, you led the Destined One here. I should reward you for that. But the thing I gave you, now I must have it back! Les araignées nous aident? Oh my, il y a de l'air. On va se faire des chums, man. Toutes les sœurs, man, vont nous aimer après ça. Ils sont pas vraiment fortes, par contre. I might as well walk it alone. Oh. Oh, ça l'a même pas knocké. Qu'est-ce qu'il fait? How can she find peace knowing you go? Ça a pas marché. Ok, bon. Oh, mais let's go, man. Man, c'est quoi ce boss-là bizarre? Join her in death, and you! Her plan is undone because of you. Live with your life! C'est quoi, là? Ah, là, t'es dans un coin, là. Step closer. There's another strike to bear. Ah, il est un site là. Man, t'es d'un coin, c'est Dustin Nard. Et voilà. Ah, j'ai plus d'endurance. Ok, faut que je fasse attention là. Ow. Mm.
pire, hein? Fuck. Oh, il est paré en avant de moi, là. C'est quoi qu'il fait là, là? Ouch! Ah, fuck, man. Change tout de setup. Fuck! Ah, oh, j'ai plus d'endurance! Ah, j'ai jamais d'endurance! Un négaçant. Ben oui! C'est quand tu fais ton attaque, chum! Tu sais, je sais pas quand tu fais ton attaque, moi là, chum! Hey, c'est quoi ce... Wow! Hey, le boss de merde, là, sérieux, là. Cette section-là est vraiment trop OP, là. Fuck. Ah! Ah! Ah, je vais crever. Merde. Come on! C'est quoi cette phase-là de merde? Sérieux, là? Man, la dernière phase est vraiment poche, man. Mais pas qu'elle est poche, mais tabarnak, le dude, il est OP dans sa dernière phase, ça a pas d'allure. Ça a aucun sens, man. J'ai même pris une esti de potion fucking rare, man. Parce que ça me tentait pas justement de le repéter, man. Je me suis dit, gros, fuck you, man. Moi, je reprends une potion fucking rare. Ben non, man, let's go, man. Il me décalisse, esti, man. Il fait des esti d'attaques de pauvre. Wow. Non, ça va rester de même, tu veux que je fasse. Man, c'est Mongol. Mongol. Bon, ça c'est quoi ça?
L'attaque, les chances de coup critique et les dégâts pendant une longue période d'utilisation. Et lui, ici, il m'en reste un. Ok, cool. Augmente l'attaque. Ça, c'est des affaires que je vais garder à la fin, cela là. Ça, c'est quoi? Confère résurrection en cas de la mort. Avant de déclencher mèche salvatrice. Ok, fait que ça, je peux le prendre vers la fin. Ouais, mais attends une petite minute, moi, là j'ai pas... Moi, je vais le mettre là. Tiens. On va l'utiliser, mon chum. En cas, dernier recours, c'est juste j'ai plus de potions, puis je suis en train de crever, m'en faire résurrection, fuck you, man. Là, est-ce que les araignées vont venir m'aider, ou le dude, il est dead? Parce que les araignées sont toutes décédées, man. Je sais pas s'ils vont revenir ou bien si lui commence là sa première phase là, normale là, sans que sa vie est pleine. Ah ok, c'est bon. On va essayer d'économiser mes... Au! Ouais, là, si que je joue pas bien, mais bon. Ouch. Ah, tabarnak! J'ai ça, des astis d'attaque avec des délais, là! Je sais jamais quand que le doute va attaquer, Chris. Ah! Encore! Man, t'as-tu vu ses astis d'attaque avec ses délais de merde? Sérieux? Faut te calmer, là. Ah, j'ai plus d'endurance. Fuck! Ouais, hein, c'est bon, qu'est-ce qui se passe là? Un petit peu chier là. Hein? Bon, on est rendu là, là. Oh. Bon, nice. Mais voyons donc! No way! Ouch! Crise attaque de merde avec des astides d'Hélène mongole! Là, j'ai plus d'endurance, mon chum!
Es-tu sérieux, là? Nice. Ma run est vraiment dégueulasse, sérieux? Ma run est vraiment dégueulasse. Ça servait à rien, ça. Vite! Ah! Ah, c'est-tu de PD? Téléporte-toi, hein? Check, man, je suis au ralenti, man. J'ai pas d'endurance. Je fais plus de dégâts. Ben ouais. Il est là avec ses mains, mon chum. Il attendait que j'esquive le dude, là. Moi, je suis... Chris, il était là avec ses mains, man. Je savais pas quand il allait attaquer, parce qu'il dit jamais quand il attaque, ce type PD. Ah, et voilà. Man, sérieux là, c'est un esti boss de merde. La troisième partie est mon gars, à quel point qu'elle est dégueulasse. Bon, et voilà, on est rendu. Non, c'était pas ça que je voulais, man. Mais on a une poppy run! On a une poppy run! Non, on a plus une poppy run. Ah, je le déteste, man. L'intro là, c'est de la style marde. Il me pète tout le temps à l'intro, man. L'intro, il est là avec ses trois esti d'attaque. Ah! Il meurt tout le temps. Lève-toi! Ah, style d'attaque, j'avais oublié que celle-là me fait fucking mal. Man, what the fuck, là? Nice. Alright. Fuck you, chum. Hey, s'il te plaît, man. Je veux l'avoir, s'il te plaît. Je veux l'avoir, man. Encore. J'aurais dû avoir mon... Dude, c'est quand tu fais ton attaque, calice, man! Le gars, il est là avec ses mains, il est comme « Ah, je m'en viens! » Je sais pas quand il va le faire, son esti de move. Non! Tu sais quand il move. Vite! Ah! T'es vraiment pas cool, man! Ah ouais, vite! Ah! Behold,
Ah, calé, c'est pas sérieux. Je call des Shadow Clones, puis tu vas te mettre invisible, man. C'est pas cool, ça. C'est vraiment pas cool, man. Et voilà, Shadow Clone, out. Je m'ai encore crevé. Encore, et voilà. Calice, le style boss de merde! Calice. Ça fait quoi, je m'en vais là-bas, là? Hey, je suis en tabarnak, là, sérieux. Les astuces de limite, là, de m'amener de mettre des Chris. Ah! Oh! Est-ce que ça pourrait m'aider, ça? Dernier? Ouais. Bon, ben finalement, je pensais qu'en faisant ça, ça aurait peut-être pu m'aider, mais finalement, ben c'est un boss. Ouais, c'est quoi tes estime moves de merde, là? Ah, t'es-tu... Ah, tabarnak, t'es-tu sérieux, là? Ouais, c'est le fun de m'avoir indiqué quand t'allais attaquer, ce petit trou de cul. C'est vraiment fatigant, chum, là. Monkey, no matter how many times you reincarnate, you're still blind to the ways of this world. Now, in your folly, you've hindered the dealings of the court. But above that, you've given a girl who knows no limits a false hope. I shall transform her into a mighty golden pill and keep it safe for you. Think about her, won't you? Should you feel like stirring trouble in your next life? Ok, c'est quoi ce boss-là, chum? Au début, je pensais que ça aurait peut-être pu m'aider avec le boss qu'on fait, là. Et ça aurait peut-être pu, je sais pas, moi... Non, je sais pas, même la troisième partie, ben, j'aurais peut-être pu avoir, je sais pas, moi, Chris... Tabarnak. Soit de l'aide ou... C'est peut-être pas de l'aide là, mais tu sais, au moins, calice là, que je puisse utiliser au moins mes sorts, tabarnak. Bon, j'ai été au marché, au petit village là, j'étais allé me faire un staff, j'étais allé voir si je vais pas upgrader mon armure, malheureusement non. Honnêtement, ça me fait vraiment chier d'avoir gaspillé une résurrection, man. Puis y'a pas personne qui a en vendre en plus de la résurrection. Une potion de résurrection, c'était fucking rare, mon chum. C'était fucking rare, puis c'est ça. Ah, quoi que, regarde, lui y en a 4. Lui y en a 4, man. Ça, il m'a les acheté. Des fois, c'est pas pire. On pourrait les récupérer pour, justement, là, améliorer d'autres affaires, là. Ça me faisait chier. Il m'en restait vraiment plus gros, man. Mais maintenant, il vient de passe. Où est-ce qu'il fait des dégâts que le calice, là? C'est fou. Je pourrais peut-être essayer d'améliorer... Attends une minute, là. C'est quoi, là? Mirage brumeux, man. Chaque niveau de talent... augmente légèrement des chances de coups critiques. Cet effet peut s'accumuler 10 fois. Augmente modérément la vitesse. Ça, c'est quand même cool. Chaque niveau de talent augmente considérablement la santé du leurre. Ouais, peut-être, là. Je sais pas, tiens. Là, c'est quel sort que je pourrais avoir? C'est comme les Shadow Clones, là. Pour vrai, là, si j'aurais resté avec les Shadow Clones, là, avant que lui décide qu'il se mette invisible, qu'il me garoche des éclairs, là, pour vrai, là, je l'aurais eu. C'est sûr que je l'aurais eu, man. Non, non, il calisse invisible. Après ça, il me fait une grosse crise d'attaque de fou, man. Bon, je vais rester avec le même pour l'instant, je crois.
Ça, ça... Ça, je fais quand même pas pire de coups. Une guérison et augmente l'effet des boissons. Le cercle de feu dure suffisamment longtemps pour en sortir engagé. Pour en sortir. Engager le combat. Puis y revenir pour profiter de ses effets. 50 secondes. Je pourrais peut-être l'essayer, man. Contre la poitrine améliore considérablement l'attaque. 350 points, tabarnak, ok. Ouais, il monte les DPS, pas pire, hein. Ça pourrait peut-être. Regarde, je vais essayer avec le feu. Ok, je vais essayer avec le feu. Le mirage est quand même vraiment utile, je vais le garder. Puis, ok, on va essayer ça de même, ok. On va changer notre technique, là, man. On va essayer de changer nos techniques, là. Je trouve ça poche, parce que j'aimais ça le figer pour faire un gros calice de coups de dégâts dessus, parce que ça me donnait de la vie, puis. Lui, eh ben, je faisais plus de DPS dessus. Là, j'ai plus de potions pantoute, chum. J'ai plus de pilule pantoute. J'ai plus de buff, fuck all, man. Ah, bah oui. Come on! C'est pour ça que je le fige, là. Et les autres, man, ils... Les autres, ils ont le droit, man, d'esquiver mes attaques. Bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Je me fais des calices d'un coup, là. Nice. Ça me tente même plus, man. Tabarnak, là! Ça sert à quoi de faire des hosties d'attaque lourde, là? Ça me tente même plus, man. Recommence, là. Sérieux. Ça fait quoi, ça? Oh, ça monte mon endurance. Mais le dude, il est dans mon cercle de feu, il s'en calisse, là. Je suis pas sûr que c'est utile, en fait. Oh, ça va-tu marcher? Comme attaque lourde une manée, là. Man. Merci d'avoir fait perdre mon temps dans la transformation, chum. Nice. Ah, fuck. Ben là, si, là! Toi, les assises fois, je me relève, tabarnak! Ça te tente-tu de me crisser un break une manée? Laisse faire. Ok, alright. Thanks, chum. Nice. Ah, c'est vrai, il fait tout ça son essai d'intro de PD, man.
Asti que son intro est de la merde, sérieux là? Hein? 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 Attaque dans le vide, mon chum. Asti que c'est hot! Je vais plus esquiver, j'ai plus d'endurance. J'ai jamais d'endurance. Ah ouais! Ouais, Shadow Clones, ils ont pas servi à grand chose, hein. Ma run était pas. Ah, tu moi, là. Ma run était pas spé, mais là, il est rendu de la merde. Ah, nice. Je sais pas ce qu'il allait faire comme attaque, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'il fait comme attaque. Yes! Non, pas greedy! Vite, c'est le moment! C'est plus le moment! Lève-toi! Yes! Fuck you! C'est une marge de marde, pédé de colis! Come down, Grandmaster! I need you! Changed a bit. You fool. Thank you.
间的交通。月光在惜别的城楼，思念是眉间的忧。月年年望相思，寻常醉长久。汹涌如交流，忐忑似轻舟。有你相伴这一路，多么多么自由。云卷云舒，风起雨中，从立春到立秋，在那一刻我爱上你的所有。忘了是心天的狗，记得是老头的酒，只因是相拥无言。愿天黑花到你，总归说不够。Fait que c'était ça son histoire, c'est pour ça qu'il avait honte de se regarder. Il y avait une femme, puis il s'est fait transformer, puis c'était la raison pour laquelle qu'il avait honte. Ah, you have grown in strength, but not in wisdom. You've not only hurt Bajir and his darling, but also laid waste to the seal of the High Ones. A grave misdeed. Mortal or immortal, all seek to break from the past and start anew. Yet destiny, like a lover's tongue, speaks one way and means another. Though you may savor it yourself, you can never tell if you truly want it or not. Wow! Ah, c'est cool! Il nous en reste un dernier. Non, mais je pense qu'il y en a 6 chapitres. Il y en a 6, ils sont pas finis. Ah, c'était cool, man. Damn, hey, le boss final de ce style niveau-là, man. Ah, c'est une troisième phase de merde. On l'a eu, man, on l'a eu. Wow. Wow. Chapitre suivant. Chapitre 5. Enfant prodige, rougissant.
Ouais, let's go, mon chum! Hey, dude, fais attention, man! Hey, y'a dedans! Dude, fais attention! T'es sérieux, là? Mon chummy est rendu avec sa grosse crise de force. Oh, nice! Nice! Voyons. Oh, il lock les dents. Wow. Oh, y'en a un. Time was I guarded the Celestial River with my boys 80,000 strong, and the puny revenants dared to impede me. That grand transformation of mine was the only reason you're still standing here. A proper kneel to show gratitude would be appropriate, no? Fooled me once, never again. Deceptive tactics like this pose no threat. I'll go size them up first. Keep pace, boy. Ah, il nous a abandonné. Wow, hey, regardez-moi la mise en scène quand elle est hot. Le feu, nice. Ah, j'aime l'ambiance de celle-là, man. L'autre, j'aimais son ambiance, mais un coup qu'on était dans la caverne des araignées, c'était cool, mais... J'étais déçu un peu, man. Genre, moi, c'est une ambiance. Moi, je vais être à l'extérieur. Des affaires morbides comme ça, je trouve ça fucking hot. Fait qu'écoutez, nous, on va se laisser là-dessus, man. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Un grand merci à ceux qui ont pu t'en regarder. Puis c'est ça, man. Nous autres, on se retrouve pour la suite, man. Hey, regardez-moi notre évolution, man. Hein? Regardez-moi notre évolution. Là, on est rendu à 119 000. On avait 130 000 de... Pourquoi que je peux... Je peux me faire un nouveau staff, c'est quoi? Non... Ok, non, je sais pas pourquoi il me disait que je pouvais avoir un nouveau staff. Bref. On a-tu une nouvelle... Ouais, on a ça ici. Augmente considérablement les chances de coups critiques lorsqu'un niveau de santé est critique. À date, là... Ah, oh, c'est vrai, on a une nouvelle relique. Qu'est-ce qu'on pourrait activer? Après avoir pris un remède, augmente les chances de coups critiques de l'attaque suivante. L'immobilisation affecte tous les ennemis autour de la cible. Oh, ça c'est fort. Chaque additif équipé augmente légèrement la récupération de santé accroyée par la boisson. Ah! Immobilisation affecte tous les ennemis autour. Après avoir pris un remède, augmente les chances de coups critiques. C'est quand même hot ça. Moi j'aime quand même faire du DPS. Hey, checker hein, notre personnage quand il est cool, man. Donc, alright, man, on se retrouve pour la suite. Reste à l'écoute, à la prochaine. Ciao!